السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو هذا غادي نشوفوا ان شاء الله ان كور دو جيستيون دو شونتي. دونك غادي نحاولوا اننا نشوفوا لا بارتي ديال لانستالاسيون دو شونتي. دونك هذا الكور هذا غادي نوضع ان شاء الله الرابط ديالو اسفل الفيديو. كما كتلاحظوا la partie première partie c'est comment installer un chantier ou bien comment réaliser un chantier, réaliser les, comme vous voyez, les réseaux comme les eaux, l'électricité, les eaux usées, la partie téléphone, etc. Réaliser les zones de travail et les aires de stockage dans le chantier. Donc les branches de conducteurs de travaux, chef chantier, technicien spécialisé en génie civil ou bien technicien supérieur en génie civil, même les ingénieurs en génie civil. Comment installer les bureaux, les baraquements, les clôtures, les vestiaires. Installer le matériel, tracer l'ouvrage à réaliser. Donc après l'objectif, donc installer un chantier permet de assurer aux personnes de bonnes conditions d'hygiène et de travail, accueillir sur le chantier les différents fournisseurs, réserver différentes zones pour stocker les matériaux, du matériel et pour préparer certains ouvrages, entre parenthèses, ferraillage, coffrage, etc. Donc pour la partie des tâches à réaliser, il faut définir le type de chantier, bien sûr, pour faire les tâches, la planification, ainsi de suite. Donc il faut définir le type de chantier normalement. Pour implanter les locaux et les équipements à mettre en place. Donc on distingue trois types de chantiers. Il y a le chantier type A, la durée, c'est-à-dire la durée de chantier, moins de, ou bien la durée de la tâche, pardon, moins de, durée moins, de moins de 15 jours. Chantier type B, durée de 15 jours à 4 mois. Et le chantier type C, durée de plus de 4 mois. Donc il y a un tableau ici. L'installation nécessaire selon le type de chantier. Donc, comme vous voyez. Donc la partie 2, on trace les réseaux électriques, les réseaux d'alimentation en eau, le réseau d'évacuation des eaux usées, les accès et le réseau téléphonique. Donc, partie 3, c'est installer la clôture du chantier. Donc, la clôture du chantier, c'est très important. Il faut installer aussi la clôture du chantier, placer les engins de levage, les surfaces. Les engins de levage, ce sont les grues à tour, les grues mobiles, les grues mobiles comme vous voyez, et les surfaces de production du béton et des blocs, c'est-à-dire les centrales ou bien les bétonnières pour mettre les bétons. Donc il faut, ça c'est entrant dans le domaine de gestion et organisation. Donc là on parle ici sur la gestion et l'organisation de chantier, c'est-à-dire la gestion des stocks et même la gestion du chantier. Donc, tout est entrant dans la partie de gestion et organisation de chantier. C'est-à-dire il faut organiser et gestionner les matériels et les matériaux
qu'il faut mettre en place sur le chantier. Donc, de la partie de la production du béton, c'est-à-dire les surfaces de production du béton, c'est-à-dire les surfaces qu'on met les agrégats. Les agrégats qui entrent dans la composition du béton. Et les granules, ou bien les granulats. Et les grandes surfaces pour mettre les bétonnières ou bien les centrales, si on a un central béton. Donc définir un plan particulier de sécurité et de production de la santé qui doit comprendre. Donc les mesures à prendre en matière de secours et d'évacuation. Les mesures à prendre pour assurer l'hygiène, la sécurité pendant les travaux, les modes opératoires, matériels, risques prévisibles et prévention prévue. Ici, c'est la partie de la suivi économique et technique du chantier. Il y a donc suivi l'exécution, c'est contrôler techniquement. Après, gérer le personnel, c'est-à-dire les personnels, suivre les consommations, c'est-à-dire les consommations des main-d'œuvre, des matériels et des matériaux. Après, contrôler l'avancement, bien sûr, l'avancement des travaux. Ça, c'est rentrant dans la partie des devis quantitatifs et estimatifs, même la partie métrique et la partie des factures. Donc, gérer les relations avec les fournisseurs du chantier, facturer, analyser les résultats, main-d'œuvre, matériaux, matériel, pour les utiliser dans un autre chantier. L'objectif ici de suivi du chantier. Il faut pointer l'avancement des travaux au fur et à mesure et mettre à jour le planning d'exécution, puis prévoir les approvisionnements des matériaux et matériels. C'est ça l'objectif du suivi du chantier. Ensuite, comparer les résultats, bien les réalisations aux prévisions, tant pour la main-d'œuvre, les matériaux, le matériel, que pour les recettes et les dépenses afin de dégager un résultat positif. Il y a ici un document nécessaire. Il y a les heures consommées pour chaque phase. Suivi des matériaux. Donc pour les documents nécessaires à l'action du responsable de l'opération et du chantier sont toutes les adresses utiles, fournisseurs de matériaux, fournisseurs de matériel, coordonnées détacheront des services techniques, les rapports journaliers, le carnet de bon de réception pour les commandes, les barèmes du personnel, du matériel, des fournitures, les déclarations accident, une petite bibliothèque technique, etc. Pour les suivis des heures consommées, analyser le budget d'heures allouées, déterminer et vérifier par
comparaison avec le prévisionnel, le nombre d'ouvriers nécessaires, lancer l'équipe ou établissant chaque jour des fiches techniques de travail journalier, si possible.